Atouniac, la saga, épisode numéro 15. C'est l'hibernation qui commence en Hollande, pour le centre des lieux en ours brun transformé. Pour cacher son repère, il ôta les guirlandes. Invisible du monde, en sa grotte enfermée, il corrige l'erreur de deux ou trois volumes qu'il espère sortir dans l'automne embrumé. Pour parfaire ses vers, il les forge aux enclumes, grâce à la prosodie en rigoureux marteau, et grâce à son respect d'ancestrales coutumes. Avec son poil épais, nul besoin de manteau, il se réchauffe au gré de tendres vocalises que sa douce landaise entonne sans flûteau. Les notes qu'elle lance, aux fins de catalyse, excite son ermite au fond de son abri. Il emprunte la paix aux échos des églises pour donner à son sort un tour moins assombri. N'hésitez pas à visiter notre site www.atouniac.com. Merci, à bientôt.